parti pour une vidéo bon plan en mode chill. Alors, je vous conseille une petite position façon parallèle au plafond, sur le canapé, sur le lit, sur ce que vous voulez. Couette, tirée, coussin à poste, petite tasse qui va bien. Moi, j'ai choisi la Raccoon de chez Action et j'ai choisi un petit thé à me faire de chez My Muesli puisque je suis en train de les tester. Je trouve que les saveurs sont très, très prononcées. J'aime beaucoup. Pourquoi je vous en parle? Bah, c'est pas anodin tout ça. On va parler de bon plan comme il est écrit en titre. Donc forcément, c'est un bon plan puisque je suis en partenariat avec My Muesli. Vous le savez, je ne vous l'ai jamais caché. Et partenariat rémunéré, ça aussi, je ne vous le cache pas. Donc, je vous le dis parce qu'en ce moment même, on m'a recontacté en me disant hey, « Eh, oh, oh, il reste des calendriers, tu as un bon plan, partage. » Donc, je vous le partage encore une fois si vous avez envie de vous faire plaisir, que ce soit pour un calendrier de l'Avent ou tout simplement pour vous acheter un calendrier, mais qui ne sera pas de l'Avent, qui sera juste pour le plaisir, pour le fun de vous faire plaisir ou de vous faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos, c'est le mien. Vous avez des petites actions dessus, enfin des actions... des petites promos dessus qui sont pas négligeables du tout, surtout que c'est les meilleures promos qu'il existe chez MyMuesli, mieux que leurs propres promos, donc c'est très bien. Voilà, pub faite, vous le savez. Je vous ai dit que c'était un mode chill, hein, donc allez-y, vous gênez pas, faites pas les choquer. Il y a des bons plans box, bien évidemment, mais il y a aussi des bons plans magazine. Et ça, je voulais vraiment vous en parler, parce que c'est en ce moment même, hein, j'espère que la vidéo sortira ce soir, et c'est en ce moment même, et enfin en ce moment et demain aussi le 10 puisque là on est le 9, il y a pas mal de bons plans magazines avec des produits assez sympas dans certains magazines, donc on va les citer, on va voir les produits, on va voir tout ce qui est accessible, voilà, à moindre coût pour vous, pour moi, pour tout le monde. On commence avec les bons plans de chez Look Fantastic. Ils nous proposent en ce moment même 40% de réduction sur tous les coffrets de Noël. Donc bah, moi j'ai envie de dire profitez-en, profitez-en quoi. On nous dit que chez Look Fantastic il y a près de 300 coffrets. Je savais même pas qu'il y avait autant de coffrets chez Look Fantastic. Maquillage, des parfums, des soins pour le visage, des produits pour le bain, accessoires, toute beauté. Mes infos là, celles-ci, pas toutes, mais celles-ci, je les prends sur le site de, des bons plans de Naïma qui partage énormément de bons plans. Vous savez que dès que je peux vous en partager, je vous les fais passer. Et j'aime bien consulter son blog parce qu'elle a pas mal de bons plans super intéressants. Je me suis déjà inspirée de ses infos pour aller moi-même me prendre des petits trucs. Donc voilà, vous avez plein de super petits bons plans chez Look Fantastic. Je pense qu'il faut en profiter. En parlant de Look Fantastic, vous avez mon code promo également pour profiter des petites choses, des petites promos, tout ça, en barre d'infos. Tout simplement, voilà. Au niveau des coffrets, Naïma nous a aussi pioché pas mal de petits bons plans, donc je vous les mets ici. Tout d'abord, la trousse rouge à lèvres et mascara de chez Yves Saint Laurent Couture. Au lieu de 53,45€, elle passe à 48,10€ au lieu de 66,95€. Donc elle était déjà en réduction, mais là ils ont encore baissé le prix. Et dans cette trousse là, vous avez le mascara Volume Effect Fossil 7ml. Vous avez le Slim Lipstick teinte 21 rouge paradox en 3,8g et vous avez un parfum, une eau de parfum en 7,5ml qui s'appelle Libre, c'est la fragrance Libre, le parfum Libre, le modèle Libre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Vous avez une trousse hydratation clinique. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors on a trois produits. Une crème hydratante de 50 ml. Vous avez un masque de 30 ml. Et vous avez un contour des yeux de 5 ml. Très bien, très bien, très bien. J'ai envie de vous dire, ça commence bien pour les bons plans. Donc tout ça, tous ces coffrets-là, vous pouvez les trouver sur Look Fantastic. Je pense que c'est vraiment la dernière ligne droite pour faire vos courses, vos bons plans, tout ça. Ensuite, vous avez un mini duo de chez NARS, vendu à 17,95€, qui était au prix de départ à 24,95€, qui a été baissé à 19,95€. Et on arrive à un prix final de 17,95€ aussi, oui, c'est ça. Plutôt pas mal. Donc vous avez là deux produits chez NARS. C'est un mini Laguna Lip et un bronzer exclusif NARS. Très beau packaging, même à suspendre sur le sapin. C'est rigolo. Alors les teintes, la teinte du lipstick, moi c'est pas trop mon truc. Je préfère les bois de rose ou les... Voilà, c'est un nude, hein, mais voilà. Par contre le bronzer, ouais, il est plutôt pas mal, j'aime bien. On a ensuite un coffret 3 rouges à lèvres de chez MAC. Il était initialement au prix de 45,45€. Ils l'ont baissé au prix de 36,45€ et le prix final est de 32,80€, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit coffret assez sympa? On a dans ce coffret 3 rouges à lèvres. On a Retro Matte Lipstick in Ruby Woo de 3g. On a Powder Kiss Lipstick de Devoted to Chili 3g et Leave Me Lipstick in Batted Breath
de 3 grammes. Voilà, bah écoutez, c'est assez sympathique. Le packaging du coffret, il est aussi joli que les lipsticks en eux-mêmes. J'aime bien. On a un trio de boules effervescentes pour le bain Bubble Tea qui était vendu au prix initial de 10,45€. Ensuite, il a été baissé au prix de 8,45€. Et maintenant, vous pourrez le trouver au prix de 7,60€. Voilà, une belle baisse encore une fois. Si vous avez envie de faire un petit cadeau vraiment pas trop cher, mais assez sympa. Et à l'intérieur, vous avez les trois boules effervescentes. Le packaging est juste trop beau, quoi, mais il est magnifique. Elles font chacune 150 grammes. C'est du beau produit, là, déjà. Hein. Alors, on a quoi comme parfum? J'essaie de voir, elles sont véganes et sans parabènes. Alors, elles sont à la framboise, au citron et à la myrtille, il me semble. Des odeurs fruitées, donc très bien, très bien. Ensuite, on a un coffret sérum Advanced Genetic Lancôme qui était vendu à 67,45€, baissé à 53,95€. Et le prix final, c'est du Lancôme, 48,55€. Alors, on a quatre petits produits assez sympas. On a un sérum Advanced Genetic de 30 ml qui était également dans le calendrier de l'Avent, souvenez-vous. C'est un sérum enrichi en acide hyaluronique, donc très bien, hein, ok. Je vais pas faire de long speech, il y a trop de trucs. Ensuite, on a un Renergy Multi Lift Crème de Nuit 15 ml. Ok, donc on va certainement se diriger vers une routine avec une crème de nuit nourrissante qui hydrate la peau, fortifiée. Voilà, ok, d'accord. Ensuite, on a un Advanced Genetic New Eyes Cream 5 ml, une crème pour les yeux intensément hydratante enrichie en complexe de 7 extraits dérivés des probiotiques et des prébiotiques. Ok, alors moi j'avais vu 4 produits, pourquoi je... Ah oui, non, mais c'est une pipette, d'accord, ok. Donc non, c'est pas 4 mais 3 produits et en fait c'était juste la pipette qui était enlevée du produit, donc j'ai cru que c'était un autre produit. Ok, très bien, très bien. C'est des jolis packaging, je pense que ce sont des travel size, hein, comme d'habitude. J'ai bien fait de sortir mon thé parce que j'ai soif, j'arrête pas de parler. Ensuite, on a un coffret Urban Decay qui était vendu à l'initial à 76,95€. Vous allez voir, la baisse du prix, elle est terrible. Ensuite, ils l'ont baissé à 53,95€ et ils ont continué de le baisser pour arriver à 48,57€. Vous voyez, de 76, on passe à 48 et des bananes. Très beau coffret, les couleurs dominantes sont le violet comme souvent chez Urban Decay. À l'intérieur, nous avons, si je me trompe pas, 1, 2, 3 produits dont la base à paupières, c'est ça? Oui, voilà, on a le Primer Potion, donc ça c'est une base à paupières qui marche très très bien, je l'ai testé, je vous l'avais mis dans les produits terminés, il me semble, je l'ai vraiment adoré, le packaging est très beau. On a aussi la palette Naked, et c'est Naked Cyber Palette, 12 fards de 9 grammes, ok. Comment sont les fards? Ouais, on est sur du nude, hein. On reste sur du nude quand même, avec un pinceau, ok, très bien. On a ensuite le mascara de 12 ml, donc là c'est un full size, hein. 12 ml, c'est full size. C'est un mascara crémeux, volumisant et rallongeant. Ok, je ne connais pas du tout les mascaras Urban Decay ni les palettes. Je crois que j'ai pas de palette Urban Decay. Non, je connais pas. Ah, il y a un chien qui a souffert. Et ensuite, on a le primer dont je vous parlais de 10 ml. Donc, oui, c'est un coffret full size. Hein. Donc, très bien. Hein, vous voyez que ça arrive quand même, les coffrets full size. C'est bien, c'est bien. Nous avons un coffret Revitalizing Supreme Estée Lauder qui était au prix de 111,45€. Ils l'ont baissé à 88,95€ et on arrive à l'avoir à 80,07€, s'il vous plaît. Ne pas oublier les 7 centimes, c'est super important. Estée Lauder, c'est toujours le prix d'un bras et d'un rein. Vous avez à l'intérieur 4 produits Estée Lauder. On a une crème réparatrice nuit on s'en fout. 15 ml, donc c'est un sérum anti-âge, voilà, pour régénérer et lisser. Je suis con, je lis en anglais alors que c'est écrit en français. Oh, pourquoi se compliquer la vie, franchement. Ensuite, on a une crème revitalisante suprême Global Anti-Aging Cell Power 50 ml. Donc c'est une crème de jour hydratante qui aide à lisser et illuminer la peau. Donc en fait, elle vient en soutien de jour à la crème de nuit qui est dans le coffret. On a un baume pour les yeux revitalisant, suprême, tout ça, anti-âge, doté d'un pouvoir reconstituant. Ce baume pour les yeux aide à lisser la texture. Bon, c'est pareil, c'est une routine. Là, on va directement se diriger vers une routine puisque le produit final, c'est un Perfectly Clean Mousse. Clean Mousse, je crois que c'est en anglais. C'est une mousse nettoyante. Putain, pourquoi ils mettent l'anglais et le français sur la même phrase? En fait, c'est une mousse nettoyante qui fait également masque. Voilà, vous pouvez la poser en masque. Donc, c'est très, très bien. C'est très complet. Le packaging est assez sympa. J'aurais vu quelque chose d'un peu plus festif, moi. Mais bon,
Hein. Après, va-t-on acheter le produit pour son coffret? Non, je ne le crois pas. Ensuite, nous avons un coffret de 3 masques pour le visage Glam Go, qui était vendu initialement au prix de 49,95€, qui a été baissé à 39,45€ et qui tombe à 35,50€. Glam Glow. C'était des masques. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était des masques tissu. J'allais dire, c'est un peu cher quand même. Non, alors là, nous avons 3 tubes de masques chacun. Donc, nous avons un masque hydratant de 30 ml avec une hydratation intense. Masque facial à désaltérer la peau assoiffée. D'accord, donc c'est vraiment un boost hydratant. Le deuxième, c'est un nettoyant super mood, 30 grammes. C'est un masque à la boue de charbon, enfin la boue au charbon, qui est un best-seller, aide à lutter contre les problèmes de peau, ok, et qui lisse en même temps la peau. Et nous avons en troisième position un Youth Mood Treatment Stimulant Éclat 30 ml, un masque élargi transformateur pour révéler la peau fraîche et éclatante en seulement 10 minutes. Pierre ponce volcanique. On nous dit que la pierre ponce volcanique aide à exfolier la texture grossière et à lisser l'apparence des ridules. Très bien, très bien. Et bon, après, c'est l'action de l'argile qui est très nourrissante et ainsi soit-il. Nous avons un coffret eau de parfum Si Passione Almani qui a été vendu au prix de 90,45€. Il a été baissé au prix de 72,45€ et qui est finalement baissé au prix de 65,22€. Donc on passe de très cher à moyen cher. On va voir ce que ça. Donc là, ce sont des parfums, hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est Armani. Vous avez 3 produits. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc nous avons Si Passione Eau de Parfum 50 ml et 75 ml. Ah, on a 75, n'importe quoi, 7 ml. Donc on a certainement une version pour la maison, une version sac, si je ne me trompe pas, décrit comme l'effet lèvres rouges dans un flacon. Le parfum s'ouvre sur un poivre rose ardent et du cassis pour une explosion d'audace. En se fondant dans un cœur de rose héliotrope, ça y est, j'ai mal à la tête. La fragrance offre un élément délicat avant qu'un fond de vanille et de bois de cèdre n'ajoute une finale saisissante à ce parfum séduisant. Ils m'ont perdu! Clairement, ils m'ont perdu. Ils peuvent pas dire ça sent bon, tout simplement. Et nous avons à l'intérieur également une lotion pour le corps, Si Passione, de 75 ml, lotion corporelle nourrissante qui enveloppe la peau d'une hydratation et d'un parfum durable. Et je crois qu'en fait, vous avez le parfum version grande taille, le parfum version petite taille pour emporter partout dans le sac. Ok, ok. Et puis vous avez encore d'autres coffrets que je ne vais pas énumérer parce que sinon on ne s'en sort plus. Vous avez également l'édition limitée pour les fêtes que je vous ai fait juste ici. Hein. C'est la box de Look Fantastic avec de jolis produits à l'intérieur au prix de 30€ pour les non-abonnés et 20€ pour les abonnés. Si vous inscrivez, vous l'aurez à 20€. Et en plus, vous avez mon lien en barre d'infos. Donc allez-y, profitez-en, je te vous dessus. Vous avez aussi l'Occitane en Provence qui fait des box. Hein. Il me semblait vous avoir fait une vidéo là-dessus, mais je la vois pas sur mes trucs. Donc je me demande en fait si je l'ai pas effacé cette vidéo. Donc vous avez l'Occitane en Provence qui fait des box. Et là, cette fois-ci, c'est l'Occitane X Mood Paris. Et à l'intérieur, vous avez votre box avec les 2 produits de chez L'Occitane plus un foulard de Mood Paris et voilà qui est offert à partir de 29€ d'achat. Donc ça, c'est pas une box. Vous avez un mini baume multi-usage petit remède de chez L'Occitane de 6 grammes et vous avez une brume d'oreiller relaxante, on va y arriver, cocon de sérénité de 15 ml. Personnellement, je trouve que les coffrets et les box de L'Occitane en Provence, je trouve que ça fait cher. Pour les produits qu'il y a à l'intérieur, vous avez des mini et des travel size. Je trouve que ça fait cher. 30 balles pour ça, ça fait un peu cher, mais bon, c'est quand même un bon plan. Ensuite, vous avez d'autres coffrets à petit prix de chez L'Occitane en Provence. Vous avez la trousse découverte de Neroli et Orchidée intense à 20 balles. Vous avez une trousse de soins amandes à 7€. Vous avez des crackers soins relaxants à 10€. Vous avez des duos lèvres-mains Carité Provençale d'hiver. Non, n'importe quoi. Vous avez des duos lèvres-mains promenade d'hiver à 16,50€. Vous avez étoile verveine à 12,50€. Et vous avez la botte de Noël fleur de cerisier à 12,50€. Les packagings, ils sont juste de la mort qui tue. Et vous en avez encore plein, plein, plein. Il y a encore un chien qui vient de souffrir. Alors maintenant, on va passer au magazine. Petit magazine sympa. Alors, je vous dis pas
tous les bons plans, parce que sinon, il y aura, que ce soit en box, en magazine, enfin, en tout, quoi. On s'en sort plus, hein. Mais on peut faire plusieurs vidéos comme ça, si ça vous intéresse. Donc, les bons plans magazine, ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant, parce que c'est des petits prix, et on peut avoir pas mal de bonnes choses à l'intérieur. Donc, voilà, je trouve ça assez sympa. Alors, on va commencer par le premier magazine. Il y en a qui sont sortis, et il y en a qui vont sortir dans pas longtemps. Donc, c'est Madame Figaro, le premier magazine, qui propose en cadeau un masque pour cheveux de la marque Davines. Vous avez deux formules au choix. Donc, si vous voulez deux formules, il faut acheter les deux magazines, tout simplement. Vous avez The Spotlight Circle, et c'est le masque hydratant. Et vous avez le Let It Go Circle, et c'est un masque adoucissant. C'est des masques d'une contenance normale, donc un 50 ml quand même, hein, c'est des belles contenances. Et ils sont vendus au prix de 10,30€ le masque. Le prix c'est 3,40€, donc 50 centimes pour le masque qu'il y aura dans ce magazine, plus 2,90€ pour le magazine en lui-même. Madame Figaro sort le 3 décembre, donc c'est déjà sorti. Je sais, c'est un peu tard pour l'info, mais moi je les ai vus encore en kiosque, donc je me suis dit, il faut que je vous le balance, on sait jamais. Avec le magazine Elle, vous avez en cadeau un baume Lanolips en cadeau, au choix coconut ou strawberry. Et alors, les packagings sont trop beaux. Alors, quand est-ce qu'il sort, lui? Il sort à partir de demain, donc le 10 décembre, avec le magazine Elle, je vous le rappelle. En cadeau, multibaume La Police 101... Wentment Multipurpose. Ok, 200 euros au choix, noix de coco ou fraise, contenance 10 grammes, taille normale à confirmer. Vendu 14,90€ chez Sephora. Et là, le prix, ce sera 2,50€. Voilà. Alors, voilà tous les magazines que l'on peut avoir avec des petites choses sympas à l'intérieur. Déjà, Biba, 3,55€. Vous avez l'agenda 2022 avec une spirale, fond bleu et petites feuilles dorées. Trop jolie, trop mignonne. Voilà. À l'intérieur, vous avez également le magazine. Hein. Marie-Claire nous propose à 2,40€ un magazine avec un bijou de la marque Nilay. Petit bracelet ciselé. Trop joli, trop mignon. À combien? 3,70€. Nous avons le magazine Mode et Travail. Et derrière, vous avez des petites planches offertes de stickers et d'étiquettes cartonnées pour faire des jolies choses comme ça. Voilà, pour présenter vos cadeaux. C'est assez sympa, hein? Ici, avec Biba à 2,90€, c'est lequel de Biba? Un bracelet de la marque Emma et Chloé. Je me demande si c'est pas le Biba du mois de novembre. Mais on va voir ça. Voilà. Vous avez aussi ce modèle-là, le petit agenda 2022, avec le petit zèbre sur fond rose pastel. Toujours pareil, hein, même prix. Pour la petite histoire, je porte actuellement un bracelet de chez Emma et Chloé et je l'ai depuis quelques mois. Et franchement, il n'a pas bougé. Donc si vous voulez tenter l'expérience, allez-y, hein, c'est le moment. Et ici, y a le pan actuel, comme toutes les années, avec le tarot. Et là, c'est quoi? Le tarot flamboyant. Voilà. Notre temps, pardon. Vous avez le carnet pour 1,95€ de plus. Le petit carnet qui va bien aussi. Voilà. Voilà pour les bons plans que j'avais à vous partager pour l'instant. Si j'en ai d'autres au cours des semaines qui arrivent, bien évidemment, je vous les partagerai ici sur Instagram et ainsi soit-il. Dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi des bons plans à partager. Je suis preneuse, hein, vous le savez. Voilà, tant qu'ils sont vrais. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à plus soyez. Ça me fait toujours plaisir à me dire en commentaire quel produit, quel bon plan vous avez aimé ou bof bof. Si vous avez d'autres bons plans à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Allez, à plus !